Il y a 65 millions d'années, une terrible conjonction de catastrophes naturelles, d'éruptions volcaniques en bouleversement du climat, frappa la Terre où vivaient les derniers dinosaures. De l'espace, vint une météorite géante qui s'écrasa sur une planète malade. Les survivants de la grande extinction avaient un point commun, leur taille. Tout animal dépassant une vingtaine de kilos avait été balayé de la surface du globe. Ne restaient que les plus petites des créatures, et parmi elles, les mammifères. C'est une femelle Leptictidium, un mètre de long, un animal très courant dans la forêt d'il y a 50 millions d'années. Cette famille animale a survécu presque sans changement depuis le temps des dinosaures. L'animal a l'ouïe incroyablement fine, un museau sensible et mobile qui détecte la nourriture sous la couche de feuilles mortes et une belle agilité. Mais l'espèce s'éteindra quand ce monde chaud et humide se fera plus froid, plus sec et que ses forêts disparaîtront. L'animal qui profite du soleil matinal s'appelle Ambulocetus. Et c'est un prédateur. L'animal n'a pas d'oreille. Il guette l'approche d'une proie en posant la mâchoire au sol pour détecter les vibrations. Ce même mécanisme lui permet d'entendre sous l'eau. Le long corps, environ 3 mètres du carnivore, se dandine vers le lac. Ses ancêtres chassaient à terre, mais l'évolution a rendu l'Ambulocetus plus à l'aise dans l'eau. Le croiriez-vous, les descendants de ce monstre ne seront autres que les baleines. Ambulocetus signifie d'ailleurs « baleine qui marche ». 10 millions d'années d'évolution changeront les pattes en nageoires et la queue en aviron. Son style de nage évoque les baleines ou les dauphins. Il ondule de bas en haut et non latéralement comme les poissons ou les crocodiles. Sa terrible spécialité, l'embuscade. Voici d'ailleurs qu'approche un propaléothérium, autrement dit, une très ancienne forme de cheval. Les propaléothériums fouillent le sol à la recherche de grains de raisin. C'est bien ainsi qu'a commencé la noble lignée des chevaux, par de petits animaux des forêts, guère plus hauts que des gros chats. Regardez bien, ils ont aux pieds de petits ongles. Dans des millions d'années, les pieds de leurs descendants auront des sabots. Ce Godinotia appartient à un nouveau groupe de mammifères, les primates. Ces animaux se font une spécialité de la vie dans les arbres. Ils ont une vue perçante et des mains, étonnamment adroites, qui leur permettent de voyager élégamment de branche en branche, mais aussi d'extirper leurs insectes préférés quand ils se dissimulent sous l'écorce. Ces Godinotia vivent en solitaire. D'autres primates deviendront des animaux sociaux. Rendez-vous dans 15 millions d'années, quand les descendants de l'Ambulocetus seront les maîtres des océans, et quand les mammifères terrestres, loin de leurs modestes origines, seront devenus les plus grands et les plus féroces animaux de la planète.